Aventura ont récemment fait une vidéo dans laquelle ils ont transformé leur trampoline en Epic Gaming Room. Et aujourd'hui, j'ai décidé de passer 24 heures sur leur trampoline. Et pour rendre ce 24 heures encore plus dur, les Aventura ont préparé des défis que je devrais réaliser pour réussir ce 24 heures. Alors le 24 heures commence maintenant. Alors Willibert, bienvenue sur notre trampoline Epic Gaming Room. Let's go! Willibert, si tu réussis ce défi, on va transformer ta chambre à coucher en Epic Gaming Room. Oui. Comme Ezekiel. Oh oui! Mais si tu échoues, tu dois adopter Madison pendant 24 heures. Oh non, attends! Ça veut dire que je dois adopter un bébé pendant 24 heures? Oh, c'est une très bonne idée de vidéo, non. Ça, tu dois l'avouer! Oh non, mais là, je peux pas adopter Madison. Ah, parce que tu crois que tu vas échouer? Non, c'est sûr que je réussis! Moi, je veux la pièce Gaming Room! Eh non, mais en vrai, ça va être le 24 heures le plus facile de ma vie! Regardez ça, comment c'est cool! Il y a même une PS5, une télévision, ici, un sofa. Non, mais sérieusement, c'est trop facile! Mais attention, Will, tout au long du 24 heures, tu auras des défis à relever si tu veux vraiment remporter ce 24 heures. Oh là, j'ai vraiment hâte de voir quels défis ils m'auront préparé pour ce 24 heures. Je vais vous faire une petite visite du trampoline. Alors regardez ça ici, ça c'est mon lit. Ici on a une piscine de balles. Attends, non mais c'est trop cool. Et là ici on a un sofa avec une petite table, des petites peluches. Sérieusement, je crois que c'est l'un des trampolines les plus stylés que j'ai vu dans ma vie. Ah, c'est vraiment cool. Alors, on va tester le lit sur lequel je vais dormir cette nuit. Oh! Oh! Eh, en vrai, c'est... Ouais, bon, c'est pas trop confortable. Ok, j'ai vraiment envie de tester la piscine de balles. Regardez ça! Oh! Oh! Ah! Eh, c'est ridicule! Wouhou! Oh! Bonjour. Aidez-moi! Aidez-moi! Ouais, bon, rip la piscine de balles. J'ai passé les deux premières heures de ce 24 heures à sauter et m'amuser quand tout à coup, les Ventura sont venus me voir. Alors, Willibert, ça fait maintenant déjà 2 heures que tu fais sur le trampoline. Alors, félicitations. Let's go! Mais attention, attends, c'est l'heure de ton premier défi. Oh, et crois-moi, il y a des défis à faire. Tu n'es pas prêt. Oh là. Tu croyais que ça allait être un 24 heures sur le trampoline à me prélasser? Oui. Et non, jamais. Passer les 3 prochaines heures avec 2 œufs dans les mains. Attends, quoi? Voici les 2 œufs et chaque œuf représente une vie. Alors tu as 2 vies. Si tu casses les 2 œufs, tu perds tes 2 vies et tu es éliminé du défi. Allez, c'est comme ça. Oh, allez, alors on va. Je vais te donner les œufs premièrement. Et là, je vais te les coller avec du ruban adhésif. Oh non! Tu peux casser un œuf. Mais je peux pas casser les 2, sinon je suis éliminé. Tu casses les 2, c'est terminé. Mais par contre, vous savez qu'il y a un mec qui dit qu'on ne peut pas casser un œuf quand il est dans ta main. Est-ce que tu vas essayer? Hey, ça casse pas par exemple. Non, ça casse pas. Ok, non, il force pour de vrai, c'est vrai. Non, ça casse pas. Alors peut-être que je peux m'en sortir avec ça. Alors bonne chance, Will, car tu en auras besoin. Eh non, mais sérieusement, ça va être impossible. Alors honnêtement, je suis sûr que Willibert va échouer. Je suis sûr et certain qu'il va casser les 2 œufs. Hey, Willibert, lâche pas, je suis sûr que tu vas réussir. J'ai confiance en toi. Comme je ne voulais pas risquer de casser un œuf, je suis resté assis sur le sofa du trampoline. Alors, ça fait 1 heure que Willibert est assis avec ses 2 œufs collés sur les mains. Alors, on va essayer de lui faire casser un des 2 œufs. Allez, j'ai un plan. Alors, Willibert, je te donne 1000 Robux si tu acceptes d'attraper ce ballon sans casser les 2 œufs. Oh, mais là... Il y a des techniques que tu peux développer. Ah, ouais, en vrai, le ballon semble plutôt mou. Je crois que je vais prendre la chance, ouais. Ouais. Okay. En vrai, ça le fait. Alors, t'es prêt? Oui, je suis prêt. 3, 2... Oh, oui, let's go! Bravo, Willibert, mais maintenant, je te propose de retenter l'expérience, mais cette fois-ci, avec une pastèque. Et je t'offre cette fois-ci 5000 Robux. Oh là, mais là, une pastèque, non mais c'est lourd, une pastèque! Allez, j'ai confiance en toi, Will. Allez, j'accepte, j'accepte! T'acceptes? Oui. Alors, t'es prêt, Will? Ok, oui, attends, ok. Non, je vais y aller doucement, ouais, okay. Là, j'ai peur, faut pas s'utiliser mes mains. 2... Oh oui, let's go! Bravo, Will! Let's go! Oh non! Ah, je t'ai eu, Will! Il est tombé dans le panneau complètement... Oh, ma télévision! Oh non! Oh non, mais là, il me reste plus qu'une vie! Non, dégage! Non, mais sérieusement, c'est vraiment trop méchant. Mais sérieusement, pour moi, c'est un réflexe, tu vois, de taper dans la main, il m'a bien eu. Alors, ça fait 2 heures que j'ai cet œuf collé dans ma main. Comme je vous rappelle, il m'en reste seulement 1. Et s'il casse, eh ben, je pars ce défi des 24 heures. Et ouais, j'ai pas envie d'adopter Madison. Être parent, c'est trop dur. Je me promène avec la main dans le ciel pour pas tomber. Oh! Hey! Woo!
Je vais rester couché ici. Ouais, je reste couché ici, je bouge plus. Sérieusement, moi, je ne réaccepte plus aucune proposition d'Aventura. Plus jamais. Alors, Willy Bell, je te propose 10 000 Robux. Non. 10 000, c'est énorme. Non, je n'accepte plus rien, dégage. Non. Dommage, l'idée allait être sensationnelle. Non. Ok, les enfants, Willy Bell n'accepte plus nos propositions. Alors, j'ai une idée. Pour lui casser son dernier œuf, allez sauter sur le trampoline et le faire tomber. Allez l'énerver. Je suis sûr et certain qu'il va casser son œuf. Allez, qu'est-ce que vous faites? Non, sautez pas, arrêtez. Non. Non! Arrêtez! Non! C'est une bonne technique. C'est trop méchant! Arrêtez! Non! Les enfants, ok, vous pouvez le laisser tranquille. S'il a survécu à ça, pour vrai, chapeau. Est-ce que l'œuf est cassé? Non! L'œuf est toujours intact! Alors, let's go! Alors là, maintenant, vous pouvez me laisser tranquille. Non! Non, j'ai failli encore me faire avoir. Sérieusement, Eamon est beaucoup trop méchant avec moi. Ok, Will, le 3h est terminé. Qu'on lui enlève l'œuf! Allez. Vengeance! Ça faisait officiellement 6 heures que j'étais sur le trampoline lorsque j'ai soudainement réalisé un petit détail très important. On a un petit problème. J'ai envie d'aller aux toilettes, mais comment je vais faire? Y a pas de toilettes ici! Où sont les toilettes sur le trampoline? J'ai envie! Alors, si comme Willy Bed, vous vous demandez comment il va aller faire ses besoins, voici ce qu'on lui a préparé. Alors, de quoi de luxueux, confortable et dans lequel on se sent chez soi? Alors, bon, évidemment, il y a l'insigne, sinon on ne saurait pas que c'est ça. Et là, on ouvre et là, regardez! C'est jaune. Attends, c'est blanc, c'est un carton. Et là, à la fin, tu pourras aller vider ça à un endroit plus approprié. Ok? Ok! Attends, non, mais c'est... Ah, c'est ridicule! Attends, non, mais là, moi, je fais pas caca là-dedans. Je vais mettre la toilette ici. Je dois faire caca là-dedans, moi? Caca et pipi là-dedans? Non, mais c'est vraiment ridicule. Arrête, regarde-moi pas! Voilà, j'ai vraiment envie, par contre. Sérieusement, c'était la pire expérience de toilette de ma vie. J'en ai alors profité pour me reposer avant mon prochain défi. Sérieusement, j'ai vraiment hâte que ce 24 heures finisse. Hey Will, ouais. Voici ton prochain défi de la part des Ventura. Encore? Déjà? Vite, relève. Bon, un défi de la part des Ventura, construire une cabane sur le trampoline. Oh! Bon, alors voici quelque chose dont t'auras besoin. Ok, je dois faire une cabane avec des couvertures. Oui. T'as une heure pour construire la cabane avant qu'ils viennent la voir. T'es prêt? Ouais, allez, c'est parti. Pour la cabane, en vrai de vrai, je crois qu'on va la faire ici. On va mettre une couverture. Voilà, c'est comme ça. Ah oui, non mais regardez ça, ça va être trop cool. Et ça va être super grand en plus. Oh. Ouais, bah attends, ça marche pas là. Je vais mettre ici du scotch. Allez, on va coller la toile sur la toilette. Voilà, et là, on va coller ça aussi comme ça. Et en vrai, c'est vraiment cool. Ah oui. J'ai officiellement terminé ma cabane, alors je vous la montre. Regardez ça. Je suis vraiment trop fier de ma construction. Alors ici, j'ai mon petit lit. Regardez ça. On a même une PS5 juste ici. Comme vous savez, il y a toujours des PS5 dans mes pièces secrètes. En fait, c'est littéralement une pièce secrète. On a ici le sofa. Ouais. Le toit est un peu proche de mon visage, mais... Oh non, la cabane, non! La cabane a failli s'écrouler. Bon, alors maintenant, je vais juger la cabane de Willy Bell. Alors, ben oui, comme vous savez, c'est Priscilla, l'experte en cabane. Là, je suis un peu stressé. Ça, c'est à l'intérieur. Oh, ok. Alors ici, on a une PS5. On a mon lit et le sofa. C'est vide un peu, non? Ben oui, mais là, j'avais rien d'autre. Bon, alors, quelle note tu me donnes sur 10? Je dirais peut-être 5-6 sur 10. Oh, ok, quand même, ça passe. Oui, Ben? Oui? Mariana t'apporte des petits biscuits au chocolat. Oh! T'auras pas besoin de les voler cette fois-ci. Oh, mais c'est trop gentil. Pourquoi il y a un biscuit à moitié mangé? Ils sont vraiment bons. C'est pour ça. Littéralement, il y en reste seulement deux, dont un qui est presque tout mangé. Je suis pas content d'abord, hein, tu vois. Non! Et en même temps, Willy Bell, j'en profite pour te donner ton défi avant la tombée de la nuit. Dépêche-toi. Encore un autre défi? Sérieusement, j'ai pas de pause avec vous, c'est dur sur 24 heures. En même temps, si je gagne, je vais mériter ma chambre gaming. C'est quoi le prochain défi, là? S'il vous plaît, pas de quoi qui est chiant. Tu dois te débarrasser de 3 objets. Oui. Oh! Alors, ça veut dire que tu dois te débarrasser de 3 objets pour le restant du 24 heures. Oh là 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 là. Mais là, ça va être dur. Ah,
Alors maintenant, je dois trouver 3 objets dont je vais me débarrasser pour le reste des 24 heures. Et sérieusement, je sais pas quoi choisir. Je pourrais m'en débarrasser. En vrai de vrai, j'en ai pas de besoin, ça. Un cœur. J'ai pas besoin de cœur. Ça dégage! Wouhou! De quoi est-ce que je pourrais me débarrasser? En vrai de vrai, ce truc, ouais, ça sert absolument à rien. Hop! Maintenant, je vais trouver un troisième objet que je dois me débarrasser et je dois bien choisir parce que je n'aurai plus le droit pour le reste des 24 heures. Là, j'ai pensé au Pikachu, mais j'ai pas envie de me débarrasser du Pikachu! Alors, il y a soit mon oreiller, mais sinon je pourrais pas vraiment dormir et je vais vraiment pas être confortable. Donc, il y a une seule solution, ce serait la PS5. J'ai pas envie de me débarrasser de la PS5. Non! Je crois qu'on va être obligé. Allez! Hey, hey, vous avez cru? C'est la PS5 de S, donc je vais pas la briser, d'accord? Ah, voilà. Oh, il y a un hélicoptère! Wouh! Monsieur! Aidez-moi! Aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît! Je pense que je vais me préparer pour la nuit. Eh hey, mais en vrai de vrai, je crois que je vais être bien dans ma cabane. En vrai, on est vraiment confortable. Thank you. Je ne dors pas pour vrai. J'aimerais profiter pour remercier Yolène qui s'est abonnée à ma chaîne YouTube. Si vous voulez passer dans ma prochaine vidéo, abonnez-vous. La nuit commençait à tomber et je n'avais plus de nouvelles des Ventura depuis déjà un bon moment. On se retrouve le soir, ça fait officiellement 12 heures que je suis sur cette trampoline Epic Gaming Room. Par contre, ça fait déjà 2 heures que je n'ai aucune nouvelle des Ventura. Je suis en train de regarder des vidéos sur la télévision. Au moins, je suis content de pas m'avoir débarrassé de la télévision parce que pour vrai, c'est vraiment stylé. Regardez ça sur le toit de ma cabane. Regardez ça, il y a des insectes. Ah non, mais c'est complètement dégoûtant. Regardez sur mon oreiller, il y a littéralement un insecte. Ah, il bouge! Et regardez ça, il y a un autre insecte juste ici. Oh, et il y en a un là. Il y en a un autre là. Et il y en a partout. Sérieusement, je devrais appeler ma vidéo. Je passe la nuit avec des insectes. Ah, je déteste ce 24 heures. Comme je n'avais eu aucune nouvelle d'Aventura, j'ai décidé de regarder des vidéos YouTube sur la télévision pendant toute la soirée. On se retrouve un peu plus tard. Il est actuellement 11h02 du soir et je n'ai toujours pas eu de visée d'Aventura depuis le début de la soirée, donc pour vrai, je commence un peu à m'inquiéter. J'ai l'impression qu'ils m'ont oublié, mais en même temps, je me dis que c'est une bonne nouvelle parce que ils m'ont pas redonné de défis. Alors en fait, on va espérer qu'ils ne reviennent pas me voir parce que j'ai pas envie de faire d'autres défis. Alors je pense que ce sera l'heure pour moi d'aller dormir. Je suis confortablement installé comme vous pouvez voir. Alors on se revoit demain matin. Je me suis alors endormi, mais ce que je ne savais pas, c'est que l'Aventura me préparait un prank très méchant. Willibed est encore en train de dormir et son 24 heures n'est pas encore terminé, mais je crois que le défi va se terminer plus rapidement car on lui prépare un prank qu'il n'est pas prêt d'oublier. Attention, Will! Ah! Oh non, William! Attention! Dernier défi! Oh! Oh, c'est quoi? Oh my god! Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est de la slime! Oui! Attends, mais... Pour te rafraîchir! Oh là 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 là! Ça, c'était l'avant-dernier défi, et le dernier défi, c'est la gravité! Non! 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 William, tu as échoué! Tu n'as plus sur la trampoline! Non, mais sérieusement, vous êtes vraiment méchant! Donc, attends, mais là... Ok, mais là, est-ce que ça faisait 24 heures que j'étais sur le trampoline? Et non, il restait une heure au défi. Non! Ah, il faut une idée de... Non! Tu dois adopter Madison. Sérieusement, c'est très rare que je perde des défis. Pour vrai, on va devoir se venger sur les Ventura. Attention à vous. Alors bref, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Peace out, tout le monde.